Hello, bonjour, c'est toujours Cathy. Toujours un petit tutoriel sur la gestion de vos boîtes mail pour ceux qui sont sur Outlook. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment lire un message et transmettre le message que l'on va lire à d'autres personnes. Dans ma boîte de réception ici, comme vous pouvez voir sur Outlook, j'ai un message qui vient d'arriver de moi-même, en fait, et qui s'appelle information, puisque c'est l'objet. Je clique donc dessus pour lire le message. Ainsi, vous voyez que ce message part de Catherine Boissier et il m'est destiné ici. Et du coup, je lis le message qui est ici. Juste un petit mail pour vous souhaiter une bonne et heureuse année, ainsi que vous informer du rendez-vous que nous avons convenu le lundi 19 janvier 2015 à 15 h pour l'inauguration de notre galerie. Vous pouvez convier les personnes de votre choix. Voilà, donc ce message, je viens de le recevoir et j'aimerais le faire suivre à d'autres personnes. Vous avez une petite flèche ici à côté de répondre et je vais donc transférer et faire suivre, hein, selon les boîtes mail, c'est la même chose. On transfère un message à d'autres personnes ou on le fait suivre à d'autres personnes. Je vais donc le faire suivre à Bibi Fricotin, je clique dessus, dans A, je vais le faire suivre à Peter Pan, voilà, comme ça il recevra aussi mon message, et je vais le faire suivre aussi, je pourrais tout à fait le faire suivre aussi à Kat. Quand je n'ai pas les contacts, je rajoute directement les adresses ici, sans aucun souci, elles se rajoutent. Etc. Espace. Etc. Voilà, donc je vais donc faire suivre le message à 3 personnes. Je laisse donc l'objet et ici je tape un petit message pour dire bonjour. Je vous fais suivre le message que je viens de recevoir de la part de Cat. Voilà. À bientôt. Et j'envoie donc mon message avec celui, évidemment, que je transfère. Envoyé. Voilà, c'est chose faite à partir de Outlook. Voilà, alors normalement, dans boîte de réception de Peter Pan, je vais recevoir dans boîte de réception le message ainsi que pour Bibi Fricotin qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, boîte de réception ici. Alors c'est peut-être un peu... ça met un petit peu de temps, hein, pas de souci, mais en tout cas, on peut ici déjà voir que Bibi Fricotin, boîte de réception, vient de recevoir un message information. Je clique dessus et on voit bien que c'est le message que j'envoie. Je vous fais suivre le message que je viens de recevoir de la part de Kat. Et ainsi, vous voyez en dessous le message que je transfère. On peut regarder aussi sur la boîte Gmail ici. Boîte de réception. On voit information et on voit aussi toujours le message que j'envoie et le message que j'avais reçu que je transfère sans aucun problème. Voilà comment transférer un message à partir de Outlook sans aucun souci, que ce soit un message que vous avez dans votre boîte de réception, peu importe. Il suffit de faire suivre le message. Ou ça peut être aussi un message envoyé que vous avez envie de faire suivre. Par exemple, celui-ci. Il suffirait de cliquer sur faire suivre ici ou transférer ici et vous transférez le message à d'autres personnes. Hein, le message, si le message contient des pièces jointes, bien évidemment, il suit aussi. Voilà, à bientôt pour un autre tutoriel sur Outlook. À bientôt.